Salut à tous, qui est le plus lyonnais? Certains pensent que c'est déjà eux. Voilà, Ryan Cherki, tout de suite, il se montre parce qu'il pense que c'est lui, mais le truc, c'est que ça va être avec ses fiches, avec ses questions. Ils sont quatre, ils vont représenter chacun leur commune. Sur la gauche, on va commencer avec Alexandre Lacazette, ce sera pour... Mermoz. Ensuite, Anthony Lopez pour... Givor. Sur Ryan Cherki, ce sera pour... Villeurbanne. Et enfin, Corentin Tolisso pour... Amplepuis. On a quatre communes différentes. On va voir qui est le plus lyonnais des quatre. Et d'abord, vous savez, ça va être demi-finale. Les deux vainqueurs en finale. Pour savoir qui va s'affronter en demi-finale, on va demander au plus ancien des quatre joueurs de faire le petit tirage. Vas-y, Anto, c'est à toi. Grosse pression quand même, hein. Attention. Te rate pas. Vas-y. Tu fais ce sur la table? Ouais, j'ai cru. Alex. Yes. Alex. Alex, il va commencer. Est-ce que t'en as un contre qui t'aimerais jouer, tu vois, tout de suite, pour te mettre en confiance un peu? Allô, la caméra? La tienne, elle sera là-bas, mais pour l'instant, elle est là-bas. Non, j'ai pas peur d'eux. Allez, vas-y. Allez. Ryan. C'est Ryan. C'est Ryan Cherki. Ah, Ryan contre Alex et donc Coco contre Anto pour la deuxième demi-finale. C'est quoi des... Laisse ça là, on va s'en... Allô, la caméra? Allô, la caméra? Je passe, je passe. Attends, je cherche. Voilà. Montre trop bien, en face, là-bas. Leur sentence, c'est irrévocable. Ryan, hop. Alex, Ryan, c'est parti. Première demi-finale. Alexandre Lacazette, le buzzer fonctionne. Il est là. On est déjà pas mal contre l'homme de Villeurbanne, Ryan Cherki. Le buzzer fonctionne aussi. Let's go. Il y a un favori ou pas là? Telle caméra d'abord. Coco, il y a un favori ou pas? Plus ancien. Plus ancien? Ok. Je pense. On va voir si la jeunesse. Tu votes pour Alexandre Lacazette. Anto Lopez qui est pas loin aussi. Anto, tu votes pour qui? Je suis là. Moi, je vote pour Lacazette. Alex Lacazette aussi. T'es un peu l'outsider. J'ai des followers. T'es un peu l'outsider quand même. Ça te fait pas peur? Non, pas du tout. Question buzzer tout de suite. Donc ce sera le plus rapide qui pourra répondre. Attention, il y a le VAR. Donnez-moi le nom des quatre tribunes du stade de Gerland, de l'époque OL. Jean Bois, jouer Jean Jaurès, mais... virage sud. Allez, 1-0. Il a joué à Gerland, pas moi. Ça fait 1-0, ça fait 1-0 pour Alexandre Lacazette. En même temps, c'est vrai que toi, t'as jamais joué là-bas. En vrai, je savais, mais il me fallait un petit temps de réflexion. À vol d'oiseau, quelle est la distance entre le stade de Gerland et le Groupama Stadium? Mais il est plus fort, son... Je pense que c'est lui qui a... Je pense que c'est Ryan. Vol d'oiseau? Ouais. 5 minutes. En distance, kilomètre. Ah, kilomètre, ouais. Gerland, Groupama, je pense, allez, quoi, 12 kilomètres. 12, tu dis combien, 12, Alex kilomètres. 16. C'était 13. Oh, bien joué. Ça fait 12, un partout. Bien joué. Ça fait un partout, ça c'est bien. Je voulais dire 14, mais... Un partout. Si j'avais dit 14. Ouais, parce que moi j'ai dit 12-13. Eh ben, ça faisait que c'est lui qui gagnait, parce que c'est lui qui avait buzzé en premier. Mais j'ai dit 12-13. Mais frère, 12. C'est 13 tout pile? Ouais, c'est 13. Okay. Bon, après, je suis pas allé au centimètre près non plus, tu vois. Non, mais si c'est 12, c'est 13. C'est 13, a priori. Combien il y a de personnages sur la fresque Le Mur des Lyonnais? 12. Non, plus. Faut que tu sois assez proche quand même. Ouais, tu vas pas me faire, non, tu vas pas me faire 13 et j'ai gagné. Non. 21. Ouais. Non. C'est combien? Non, bah pose une autre question. Non, c'est combien? C'est combien? Il y en a énorme. Je sais même pas de quoi il me parle. Non, 21 ça passe. 21 ça passe. C'est combien? Il y en a 30. Oh, 21 oui, ça passe. 21 ça passe. Ah, c'est comme si j'ai 50. Bah non, ça passe. Ah non, pas. Parce que 50 ça passe pas. De quoi est composée une salade lyonnaise? Ah, elle a bizarrement, non. Je pense. Ah, chez qui? Je sais pas. Vas-y, dis. Allez, vas-y. Tu vaux bien un truc. Non, vas-y, je te la laisse. Non, trop tard. œuf. Ouais. Salade. Ouais. Lardon. Ouais. Il t'en manque un. Il m'en manque un. T'es pas loin. Œuf, salade, lardon. Ouais, j'ai pas un temps. Non, y'a si, pas de temps. C'est non, moi non, qui non, le non, fais non, un non. peu comme je le sens. Et quand voilà. Je veux. Ouais. Donc, je te dis, quand. En fait, quand j'en ai marre, je te donne la parole. Ah, prends deux. Deux, vas-y, deux. Fais-moi la passe. Je la perds. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Alex. Crouton. Ah, mais arrête. Donc là, pour un ingrédient, il a gagné. Mais c'est ça. Tu arrives à buzzer, c'est tactique un peu. Bah, faut pas buzzer pour rien. Je suis pas d'accord. Bah, je les avais, mais c'est juste, c'est comme si... Ouais, ok. Ouais, c'est comme si tu t'as pas mis sauce. Personnellement, je l'avais. La caméra pourra en témoigner. Ok. Merci. J'ai dit qu'il va en oublier un. Expérience. 3 à 1 pour Alex. Va falloir te réveiller un peu, Ryan. Faut que manger au négociant. Tu vas pas être bien. Tu vas pas au négo. Prochaine question. C'est en face de Zara. À gauche. Si on compte les ponts, les passerelles et les viaducs, est-ce qu'il y en a plus sur la Saône ou sur le Rhône?
sur la Saône. Tu dis quoi, Alex? Pareil? De toute façon, si tu dis pareil, t'es, automatiquement, t'as perdu. Ouais. Tente le Rhône. Rhône! Là, c'est la Saône. Je t'avais dit. 16-15. Ah, là, j'ai même pas compris la question. 16-15 pour, pour Ryan, ça fait 3-2. La caméra. La caméra, elle est juste en face de vous, monsieur. Donnez-moi trois noms de gare à Lyon. Non, là, je l'ai avant toi. Non, je l'ai avant toi. Moi, je... VAR ? Moi, ouais. VAR. Il demande la VAR. Il a le droit de la demander au moins une fois. Ouais. Il demande la VAR. Ah là ! Merci, merci. Gare de train, hein ? Ouais. Gare Ferrari. Tu m'en donnes 3, hein ? Hein ? 3. Parce que tu m'en donnes 2. Après, tu vas encore dire... Gare Saint-Exupéry, gare Perrache, gare Pardieu. Yes ! 3-3 ! Saint-Exupéry, 3-3. Je la prends, quoi. Ah, je te dis Saint-Olas, si tu vas à l'ancienne. Yes ! Bien sûr que tu la prends. Yes ! Hein ? Ouais, voilà, moi j'attendais, tu vois, bah ça. Bah oui, moi je veux des vrais trucs. Et là, ça me sort des trucs. L'aéroport de Lyon, il se trouve où ? À Lyon. L'aéroport de Lyon. Comment s'appelle le réseau de transport en commun à Lyon ? C'est encore moi. On peut regarder la VAR ? C'est encore moi. C'est encore moi. Et la VAR, combien de VAR ? Mais la VAR, combien de VAR ? T'as dit une fois la VAR, mais une fois, mais comme il a juste, comme il a raison. Le doigt. Ça, c'est un rouge, hein. Le doigt. Mais t'es un grand malade, toi. C'est l'arbitre qui s'est trompé. Anto, Coco, c'est pour Alex, là. Ouais, c'est pour Alex. Bah, Alex, il est là, mais c'est pas... Oui. Enfin, oui. Ouais, c'est pour... Non, mais quand je dis là, la VAR, quoi. Ouais. Mais écoute... Moi, je pense que c'est pour Alex. Ok. Eh ben, allez. De toute façon... Pour Alex. Donc, t'as plus de crédit VAR. De toute façon, je dirais toujours. Mais si, je gagne. Mais oui, mais t'as perdu, là, puisque c'était Alex. Ok, non, donc, mais... Donc, TCL, ça fait 4-3. 4-3 pour Alex. Attention, il ne reste plus que 3 questions. Comment on appelle... Un enfant. Un Yohan. Ah ouais, mais ça percute. Ah, mais ça... Mets un peu de subtilité dans les questions. Ah ouais ? Bah oui. Tu veux que je la pose comment ? Vas-y, pose, reformule la question. Non, mais faut pas l'écouter. Il y a la question, il y a le buzz. Ça fait 5-3. Question rapidité. Quelle est la date ? Tu t'arrêtes. 1950. Une date dans l'année. Tu peux réfléchir. L'année des créations des Bad Guns, non. Non, c'est l'année de quoi? Trop tard. C'est trop tard, vas-y, dis maintenant. Une date importante à Lyon. Non, trop tard, c'est fini, une dis. Une date importante à Lyon. Là, je t'aide, je peux pas t'aider plus. Vas-y, vas-y, dis. Un truc qui revient chaque année, qu'on fête, enfin, tu vois, un truc, truc important, quoi, tu vois. T'as dit quoi, frérot? Je peux répondre? Non, ouais. 8 décembre. Voilà. Je l'avais. J'ai tout fait. Frérot, attends qu'il finisse sa question. Quelle est la date? Il va finir de savoir la date de quoi? Des macros. Bon, la dernière pour la forme, parce qu'on a le finaliste déjà, c'est Mermoz qui sera en finale. Et Norman après, il y a une petite finale après? Normalement, non. On peut en faire. Et au pire, on frappe. Voilà, voilà. Quel est le roi de France représenté? Vas-y. Charlemagne? Non. Louis XIV. Louis XVI. Ah oui. Louis XIV. Ah merde. Oui, Louis XIV. C'est bien, t'as réduit l'écart. Alex, en finale. Ah, il y a eu de la triche, hein. Voilà, tu vas trop vite, merci beaucoup. Merci à Ryan. Quand même, tu peux revenir saluer celui qui t'a battu en finale. Elle est où la caméra? Alex, juste un petit mot. Oui. En finale. En finale. Viens. En finale. On va, comme ça, il y a Coco et Alex. En finale. C'est compliqué parce que... Tu vois qui la caméra, elle est là, il y a la flèche. Qui est favori pour toi, là, sur la deuxième? Je pense, Anto, il a un petit côté favori, quand même. Mais moi, je pense qu'il faut se méfier de Corentin. Il faut se méfier de Corentin. Il faut se méfier. Toujours un très bel outsider. Bon. Non, mais c'est pas un loup. Allez, merci. Alex, en finale, place à la deuxième demi-finale.